Recueil des exemples de la malice des femmes et des malheurs venus à leur occasion. Astérisque, astérisque, astérisque. Recueil des exemples de la malice des femmes et des malheurs venus à leur occasion. Ensemble les exécrables cruautés exercies par Issel. À Paris, chez Pierre Rory, au Mont-Saint-Hilaire, à la cour d'Albret. Monsieur D.X.C.V.I. Recueil des exemples de la malice des femmes. Si j'entreprenois de décrire les malheurs que le genre féminin affecte clairement voir à nos yeux depuis tant de siècles, je me trouverois enfermé en un labyrinthe plus cruel que celui du roi Minos préparé pour les enfants d'Athènes qui lui estoient envoyés en tribu, ainsi que le racontent les historiens de ce temps-là, et demeurerois presque accablé sous le fait d'une si pesante charge et une si extrême quantité d'exemples qui se trouvent sur ce subject. Car il n'y a pas ancien ou moderne de qui les livres ne soient remplis de tant de prodigieuses cruautés que le jugement nous folte, l'aveu nous esblouit, et tous les sentiments nous défaillent, voyant tant de tragiques malheurs advenus et qui adviennent tous les jours par les femmes, comme les exemples en servent d'un beau miroir pour nous les représenter devant les yeux. Et semble que toutes les imperfections aient voulu s'incorporer en un, exprès pour former la femme et en rendre du tout odieux l'object. Lequel voilé d'une beauté falsifiée eux ravit tellement les sens et l'entendement de ceux qui s'y mettent trop avant que la sortie leur en est interdite, et se pensent bien heureux d'avoir l'aveu de ce qui cause leur mal. Une femme est toute pleine de vanité, d'inconstance, de fraude, de perfidie, de cruauté, déception et mille autres vices que je ne veux nommer, qui la conduisent ordinairement au précipice de sa ruine, et seuls qui les suivent, voilà que c'est, nous l'aimons comme bien souvent le malade choisi et demande plus tôt la chose qui lui puisse nuire que ce qui lui est profitable, nous en sommes de même. Car voyant une femme qui nous plaiste, il la faut avoir, il faut employer ses amis à un si mauvais. À faire comme pour demander une femme, vous vous soumettez à des choses irraisonnables pour l'avoir et aucune foi elle se moque de vous, s'il advient que vous l'ayez vous vous en réjouissez comme si vous y aviez gagné un royaume et là pauvre homme tu ne sais ce que tu fais. Tu es alien et d'entendement tu ne congnois pas que tu mines en ta maison le serpent qui te dévorera puis après, tu es donc malade du sens de l'entendement et de la raison cherchant le poison qui te fera mourir lentement. Pour te donner plus de peine, cependant tu l'aimes c'est le comble de ta félicité tu penses j'y a être volé jusqu'au tiers ciel, et tu mets déjà un pied dans la fosse. Voilà comme tu es endormi d'un sommeil si pernicieux si tu te réveilles tu reconnois ta faute, et là mon ami, c'est bien tard, tu es lié, il faut te demeurer là, c'est pourquoi ordinairement quand l'on veut te rester quelque jeune homme on dicte qu'il le faut marier vous voilà donc prince, il faut penser à d'autres choses qu'à être libre, croiriez-vous bien, mon ami, que aucune fois une fille prenne un homme par amitié. Nanny, c'est le plus souvent pour l'argent que le bon homme peut avoir et aucune fois elle le prend à faute d'autre et de crainte de demeurer vieille fille. Et que leur beauté se venant à flestrir et faine, elle demeura sans parti, il faut prendre la fortune par sa chevelure de devant, car elle est chauve derrière et si vous faillez une fois à la prince la poursuite sera vaine puis après, et d'autre part s'il advient que le mari ne puisse fournir à l'appointement selon qu'elle pense meurait pour son jeune âge ou selon son appétit, elle scave le moyen qu'il faut tenir pour ne s'en laisser avoir faute, et puis scave pallier le fait que le bon homme ne s'en pourra apercevoir aucunement, car elles ayant l'esprit subtil et co, il ne leur manque point d'excuses comme de venir voir son père, ses cousins, ses parents, sa commère qui est accouchée, ou de devotion, puis avec cela et elles sautent au col de leur sommerise, le baise-loup et jure qu'elles l'aiment mieux que leur propre vie. Mais c'est au plus loin de leur pensée, car elles le voulent droit voir pendu, puis tant d'autres belles paroles qu'elles y scavent adjuster que c'est une chose incroyable pour abuser les pauvres gens. Aussi c'est l'un des sept sages de Grèce reconnaissant cela sans exempta, car voulant monster à l'homme qu'il n'est soit bon de se marier,
quelqu'un l'interrogeant ainsi qu'il estoit encorsan la fleur de son ague pourquoi il ne se marioit, disoit qu'il n'estoit pas encorsan puis devenu sur l'âge introgé de la mesme chose, il n'est plus temps dit-il, voulant monstrer par là à l'homme qui veut demeurer à son aise franc de tout souci il ne faut point qu'il s'accompagne d'une chose si pernicieuse et qui trouble plus le repos comme est la femme. Toutefois je ne parle que de celle qui se trouve le plus communement, car je ne veux pas nier qu'il n'y en ait de bonne car parmi un si grand nombre il n'est pas qu'il ne s'en trouve quelqu'une qui ait un peu plus de perfection que les autres, par quoi pour une qui fecte bien toutes les autres en sont honorées comme anciennement de celui qui gagnoit le prix de la lutte ou de la course et jeux olympiques, sa race en estoit éternellement illustrie. Mais pour revenir à notre premier discours, elles font ce qu'elles peuvent pour captiver les cœurs des hommes et les pipères par tant d'attraits qu'elles les puissent avoir en leur possession pour tirer d'eux ce qu'elles en pourront avoir. Les autres pour se moquer de leur inconstance et les autres pour s'en servir et en contenter leur appétit et bien souvent les faire tuer après si elles peuvent. Bref, ce n'est que toute malice qui habite en la femme et ne vise à autre but qu'à tromper et décevoir ceux qui ne se doutent point de leurs embûches et qu'ils font comme les maladvisés et indiscrets mariniers qui attrapés du doux chant des sirens se détournant de leur droit chemin pour s'aller perdre au phare de Messine. C'est pourquoi avec raison plusieurs philosophes disent que nature ayant donné à tout animal son contraire elle a voulu aussi donner à l'homme à qui toutes autres choses sont assujetties la femme pour son contraire et dont la malice est ennemie et jurie de la raison humaine. Ceux qui parlent du mariage et de s'accompagner avec la femme allèguent plusieurs belles instructions pour vous montrer ce qui est en doute. Car si tu considères bien de prendre femme pauvre elle en sera méprisée et toi moins estimée, si tu la prends riche elle te voudra commander et de franc et libre te rendre esclave, si que pensant espouser une compagne égale, tu épouseras une insupportable maîtresse. Je ne sais si je dois bts dire diablesse puis si tu prends femme belle tu te mets en grand danger que ta tête ronde ne devienne fourchue qui est une épouvantable métamorphose. Que dirons-nous encore la richesse rend la femme superbe, la beauté l'affect suspecte et la laideur la rend odieuse, je vous laisse à juger quel contentement il y peut avoir flottant tous jours en doute parmi tant de dangers de faire naufrage, celui d'Hésiode Hésiode qui se fit en femme est tout le temps asseuré comme celui qui est pendant aux feuilles d'un arbre mesmement à la fin d'automne, auquel temps les feuilles commencent à chevoir. Il me souvient encore de trois choses que j'ai eu récite au mesprit du mariage, le dire d'un facétieux, le fait d'un autre et la réponse d'un bon homme qui porte à propos de quelque mariage, on a raison d'isoir le premier de dire quand on veut marier un jeune homme qu'il le faut reste, car de fait je croyais que nous volerions jusqu'au ciel si ces restes ne nous retenoient, l'autre croyant prêcher qu'il faillait que chacun portasse de sa croix, pour être sauvé, courut prendre sa femme et la charge sur son col, et le bon homme à qui on disoit qu'il fallait attendre que son fils fasse de sèche pour le marier, ne te trompe pas ami Louis dit-il, car s'il devient sage il ne se mariera jamais, ni ayant que deux bons jours en mariage, celui des noces et celui de la mort de sa femme, et aussi ce que disoit dit-il qu'une bonne femme une bonne mule et une bonne chièvre sont trois méchantes bestes. Ceux qui ont remarqué les malheurs dont ce sexe a été cause en trouvent un nombre incroyable et en premier lieu allègue la déception du premier homme par Ève sa femme c'est dont le péché et la mort, que voudriez-vous un plus grand malheur que celui-là, car toutes misères s'en sont en suivi et eurent dès lors entrées au monde s'en sont trahies par Dalida celle qui les moi et chérie soit plus que soit à mesme, et pour revanche de cette amitié le vendit aux Philistins qui estoient ses mortels ennemis après l'avoir dessnué de sa force qui consistoit en ses cheveux que donnant couleur à sa maudite trahison. Par pleurs et gémissements mène pour en tirer la vérité, l'ayant ce qu'elle le livra puis après à la mort comme l'agneau au sacrifice,
ses ennemis l'ayant exercé envers lui beaucoup de cruauté, voilà la récompense de son amitié si forte. En après Salomon et Basti par ses concubines, lui qui est l'un des premiers hommes du monde en sagesse, enfin fut contraint si d'heureuses importunes caresses qu'elle usa envers lui, étant de mignardises attrayantes qu'il se laissa couler dans une mer de délices. Qui lui causa sa totale ruine, achabé et ruiné par Jezabel. Puis les histoires tragiques nous font voir l'inhumaine cruauté de Pandore qui, ne se contentant de son effréné appétit de vengeance, avoir été exécuté par ses propres mains en la personne de son mari, le pauvre enfant qui estoit au ventre de cette cruelle mère en souffrit mort, estant desquiré par Pisces comme un mouton tombant entre les griffes d'une louve affamée. Ah, pauvre petit enfant, son ta destinée estoit bien rigoureuse de t'avoir formé au ventre de celle qui sans pitié ne compassion maternelle a eu le courage de te donner la mort de ses propres et meurtrières mains. Les lions, les tigres, les ours et toutes autres sortes de bestes farouches qui se trouvaient de certes de Lydie et d'Arcadie aiment leur fang, et toi mille et mille fois plus brutal que tous ces animaux saillent, à eux le cœur si félon de desquirer ta petite creature, ta petite image, ta semblance, celle que tu as portée dans tes flancs, ceste ça y est l'une des plus énormes cruautés qui se puisse imaginer. Hélène qui a été cause de la destruction de Troie, la grande lune des plus nobles anciennes et appuyantes cités de l'univers et qui fleurit soit par-dessus toutes celles qui furent de son temps avec la mort de tant de peuples, Tullia fut si extrêmement outrie de rage et de colère, qu'elle contraignit et força chevaux, cochiers et chariots de passer par-dessus le corps de son père gisant mort en terre, Antonius égal en l'Empire romain avec César ayant envoyé un jeune Cléopâtre roi d'Égypte pour se venir justifié de quelque cas qui lui estoit missu, elle y vint avec une pompe si démesurée qu'elle est presque incroyable. Puis y estant, elle y essaie de tant de charmes mêlés parmi sa beauté et bonne grâce qu'elle le rendit entièrement sien et si extrêmement passionné de son amour qu'il n'avoit bien que quand il jouit soit de sa présence, et non tant seulement lui remit il son offense mais la fille dame de pays innombrables, qui plus est l'amitié qui lui portoit lui faillit follement soumettre si vingt mille hommes de pied et 600 navires au danger de la mer et de la guerre, et sa personne et son honneur, s'estant à son occasion déclaré ennemi de César lequel le poursuivoit et mesme l'avoit assigé Antonius, pensant que Cléopâtre l'eût trahi fit de piteuses plaintes, et voyant celle qu'il aimoit tant donna fin à ses jours se fourrant son espie dans le ventre, voilà comme il finit sa vie et elle peu après estant mordue d'un aspic mourut, fut il on cuvio plus barbare cruauté que celle de l'amoureuse me dès laquelle afin que plus sûrement elle puisse suivre Jason duquel elle estoit extrêmement amoureuse, espandit par le chemin les membres d'Apsyrte son frère qu'elle avoit taillé en pisseurs, à ce que par la douleur que prend droit son père de la mort de son petit-fils cela le faillit retarder en sa prompte suite, elle mesme de rage pour ce qu'elle vaille préfère les jeunes amours de Creusa aux vieilles siennes jette aux pieds de Jason les pisseurs de deux enfants qu'elle avoit engendré de Louis, n'est-ce pas une cruauté extrême? Que faillit prôner quand elle scut que Philomine s'assure avoir été par trait son mari indignement violé, ne Louis présente-elle pas sur sa table les membres de son petit fils Aïtos pour les manger et devore, à cause des folles amours pareillement Clytemnestra avec Égiste son ruffien conjura la mort d'Agamémon son mari et encore à l'occasion de ses amours et de ce meurtre fut esme la fureur d'Oreste si fille de Nissu donna au beau roi Minos de l'amour duquel elle estoit éprise avec le poil d'or. Ensemble la vaille et l'empire de son père mais de ceste méchanceté la malheureuse fille fut punie, une courtisane nommée Aspasie ayant semé à force femmes folles et de mauvais gouvernement par la Grèce les Mégarois les ravir qui fut cause que Périclès gasta, pille, et brûla, la plupart des villes et bourgs de la Morie. Hannibal chef des Carthaginois qui estoit le plus brave guerrier de son temps fut rompu par les délices des folles femmes Capuanes nous lisons de Pasiphée, laquelle non contente de l'embrassement du bel et puissant roi Minos s'abandonna à un taureau couverte d'une peau de vache mais pour revenir à notre discours est-il chose,
comme dicte Plutarque, plus ligeur que la langue d'une femme effrénée, plus piquante que ses outrages, plus téméraire que son audace, plus exécrable que sa malignité et plus dangereuse que sa fureur. Un noble romain fait réponse et bien à propos à quelques-uns de ses familiers émis qui lui disent qu'il avoit grande occasion de se tenir très heureux et content pour avoir une femme belle riche et de nobles parents extractés. Il leur montra son pied disant « Mes émis, vous voyez que mon soulier est tout neuf et bien fait, mais il n'y a nul de vous qui puisse savoir en quel endroit il me blesse. » Pythagore estant invité pour aller au nopes d'un sien ami s'excuse disant que jamais ne lui prend droit en vue d'aller à tel festin et se trouver à tel objet estimant qu'à épouser une femme fasse tout le temps qu'à épouser un cercueil ou prendre un linceul pour le commencement de sa sépulture. L'ancien adage ne dit-il pas que femme et navire ne sont jamais si accomplis qu'il n'y ait tous jours à refaire. Dont je conclurai volontiers que si celui qui se marie ne se fâche, pour le moins il se lasse. Il y a encore un nombre infini d'autres exemples sur ce subject comme venu en Cypre, une lèse à Corinthe, une cèse en Alexandrie, une fière née en Athènes, Rhodope en Thrace, puis Sémiramis et Phèdre, Biblie et Jocaste, et tant d'autres que je ne veux que nommer. Car ce sera une chose trop prolixe encore le poison, le venin, et la pestifrée humeur de ce puant et sale sexe, se font bien paroistre grandement pernicieux quand ils font aigrir le moult, mourir les plantes, tomber les fruits des arbres avant qu'ils soient morts, toile la glace des miroirs, amoussir le tranchant du fer, obscurcir le lustre de l'ivoire, corrompre l'air, mourir les essaims des abeilles, devenir les chiens enragés et les enfants ensorcelés. Voilà enfin les perfections de ce sexe libidineux et plein de corruption tant des mœurs que de l'intérieur du corps. Tout ce que j'ai dicté ici ne préjudicie en rien nos séjeunes, les rend de tant plus illustres et les fait resplendir comme la rose par-dessus toutes les autres fleurs des champs, se faisant admirer pour choses rares, dignes de louange et de lois immortelles. Fin de la malice des femmes et non de leur méchanceté. Note concernant la version électronique, on a différencié les U/V et I/J conformément à l'usage moderne, et résolu les abréviations conventionnelles, de type bonne-bonne. L'orthographe et la ponctuation sont conformes à l'original, les coquilles les plus manifestes ayant toutefois été corrigées. Astérisque 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 end of the project Gutenberg e-book recueil des exemples de la malice des femmes et des malheurs venus à leur occasion astérisque 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 updated editions will replace the previous ones, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start,
Full license the full project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works 1. By reading or using any part of this Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. See paragraph 1.E below. 1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.
Unless you have removed all references to Project Gutenberg, The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.E.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale license. 1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BEHAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is / and does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation at set forth in section 3 below. 1.F.1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2. Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.F.3.
You agreed that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol mark commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol mark commercial work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol mark commercial. Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol mark commercial and future generations.
To learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donation can help, see section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation. The project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6221541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp or small staff. Please check the Project Gutenberg webpage for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Générale information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael Essar was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition.
Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol mark commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Recueil des exemples de la malice des femmes. Recueil des exemples de la malice des femmes. Note concernant la version électronique The Full Project Gutenberg License.